Mchezo umemalizika kwa timu ya Yanga ambao ndio wenyeji kupata alama moja kwenye uwanja wa Imani. Mchezo ulikuwaje kiufundi? Tactiquement. C'était un bon match. Dans un match, il y avait un match tactique, à savoir l'équipe d'Embe a essayé de bloquer notre milieu de terrain et tout ça par un marquage bien prononcé et une pression, vraiment une agressivité sur le porteur de ballon. C'est pour cela. Nous autres, on n'était pas assez agressifs, on n'a pas répondu vraiment avec un répondant agressif. Et ce qui a causé un peu de concentration chez nos joueurs, notamment des pertes de ballons vraiment énormes. Ça a perturbé l'équipe, ça l'a déséquilibré. Et je pense que deuxième étant, nous avons rectifié les tirs. Nous avons fait quelques changements, nous avons donné quelques consignes tactiques. Qui nous a permis d'avoir vraiment presque les 45 minutes et malheureusement je pense que notre adversaire n'a créé aucune occasion de but et nous autres nous avons créé des occasions, notamment l'occasion de Chico, mais bon voilà, c'est le football, il faut avoir la tête très haute, on n'a pas perdu et on mérite de gagner, dans la vérité on mérite de gagner, mais c'est le football et il faut comme j'ai dit aux joueurs au vestiaire, je les ai félicités, c'est le football. Et on va apprendre les leçons de ce qui n'a pas marché dans ces matchs-là. Et on a dit que le match tactique, il y a un match de ufundi. On a dit que les gens ont été kuja kwa kukaba katikati na walikuwa agresif. Na kweli walipatia, ndio maana ukiona kwenye mechi tulikuwa na upungufu wa kuzaa mipira mingi katikati. Na ikatufanya wachezaji wetu wakakuwa hawana ile agresif kama ambia ilivyokuja. Sema lakini imetokea kweli kipindi cha kwanza, kipindi cha pili amejitahidi kuchange mfumo na kutoa maelekezo na nadhani mliona wenyewe kama kipindi cha pili kilikuwa ni bora zaidi, tulipata nafasi nyingi za kufunga na ukiangalia timu pinzani yenyewe haikupata sehemu yoyote ya kufunga isipokuwa ndio hivyo kwa football huwa yanatokea na baada ya mechi aliambia wachezaji hongera sana kwa mechi, huwa sometimes mechi kama hizi huwa zinatokea lakini inabidi tuinue kichwa ili tupambane kwenye mechi zingine tusaidi kupata ushindi. Dit le premier parti on a perdu beaucoup de ballons au milieu. Est-ce que ça peut être la cause, c'est parce que Faisal n'était pas là, parce que c'est lui qui joue souvent au milieu ou il y a quelque chose d'autre? Non, c'est pas parce que Faisal lui peut rater. Non, on a été vraiment très pressé. L'adversaire a couru beaucoup, elle était agressive, ça a perturbé quelques deux joueurs au milieu de terrain, tout simplement. Mais ce n'est pas parce que Faisal il est là. Bon, Faisal est rentré, c'est vrai que c'est un grand technicien, mais ce n'est pas son absence qui a fait qu'on a perdu beaucoup de ballons. Non, ce n'est pas l'absence de Faisal, c'est un petit peu l'engagement excessif et peut-être le manque de répondants de mes joueurs dans cette initiative d'adversaire d'être assez agressif. Anasema sababu sio Faisal kuanza mechi, maana hata Faisal sometimes huwa anapozea mpira ni kawaida kwa mchezaji kuweza mpira, isipokuwa Mbeya walikuja na style ya kuwa aggressive na ndio maana mliona kama walikuwa yani wanafika kwenye wachezaji wetu, ndio ilikuja kuleta tatizo, lakini sababu sio Faisal, japokuwa Faisal kwa ni mchezaji mzuri na huwa anasaidia, lakini sababu haikuwa les premières 45 minutes, on a perdu beaucoup de ballons et on n'a pas eu beaucoup de chances qui venaient de côté. Est-ce que c'était quoi le problème? Ouais. Donc les ailiers là, ils n'ont pas. Ouais. C'est une très bonne question. You are with TFF student, coach, former? Non. Because it's very good question. Voilà, c'est pourquoi c'est une bonne question. Parce que c'est aussi un de nos problèmes. Moi, je ne veux pas me mettre sur l'excuse de il y a des absents et tout ça, parce que je considère tous mes joueurs, tous de bons joueurs, et je ne veux pas parler, on avait des absents qu'on n'a pas. Mais il s'est fait que, comme vous avez vu, on a fait jouer Dixon arrière droit, ce n'est pas son poste, donc il ne peut pas monter, il n'a pas apporté de la qualité offensive. Et pour Bryson, malheureusement, on avait Yassine qui était blessé. Et Bryson, il s'est blessé après 15 minutes de jeu et je n'avais pas d'un arrière-gauche pour le remplacer.
Donc Bryce ne pouvait pas continuer à faire l'aller-retour sur la ligne et Dixon non plus ne pouvait pas le faire parce que ce n'est pas ses qualités. C'est pour cela, voilà, ça nous amène à dire que notre philosophie de jeu, le montée des latéraux, les entrées de trucs, elle n'était pas présente aujourd'hui parce que les qualités ont changé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Jumoa et dans Yassine par exemple. Anasema ni hilo ni swali zuri sana lakini kwake yeye itakuwa excuses kusema kwa sababu wachezaji kuna wachezaji ambao kucheza kwa sababu wana majeraha lakini nadhani ukitizama Dixon Job kacheza kuna nini kwenye right back kawaida sio right back na ukiangalia upande wa kushoto ilikuwa ni Bryson baada ya dakika 15 alipata tatizo kwenye mguu na alipopata tatizo kwenye mguu unaona kama hawezi kuwa napanda kwa sababu yana tatizo la mguu ndio maana unaona kama palikuwa hakuna wasaidizi wa kuja kusaidia kwenye wingers. Lakini anasema ingelikuwa kama wachezaji wa kawaida unajua kama Juma au Yasini huwa wenyewe wanakuwa wanacheza na kwa kusonga mbele. Sasa nadhani ukiangalia kwenye mfumo wa football utaelewa kwa nini kwa sababu Dickson sehemu yake na ambaye tulikuwa tunategemea na ni Bryson mwenyewe kaumia na tulikuwa tuna mwingine fullback ambaye angekwenda kumsaidia. Kitike le premier 45 minutes là c'est qu'on a joué trop bas et normalement souvent nous on joue pas comme ça parce qu'on met des pressions pour aller devant. Est-ce que c'est à cause du match de coupe là, parce qu'on a vu, il a vu le repos, on a joué des matchs de coupe qui nous a fait jouer comme ça, ou c'est autre chose? Non, on n'a pas joué haut parce qu'on a l'habitude de jouer avec nos latéraux, comme je disais tout à l'heure, qui montent, qui donnent des solutions pour pouvoir partir et jouer haut. Quand nos latéraux ne peuvent pas vraiment monter et que l'adversaire il ferme tous les issues, donc c'est pas qu'on n'a pas joué haut. Le ballon, on a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain qui auraient nous permis de jouer un peu plus haut parce que quand on a le ballon, on continue à jouer plus haut. C'est des absences de vraiment de vrais latéraux et notre milieu de terrain a été perturbé la première mi-temps. Mais je félicite mes joueurs deuxième mi-temps, ils ont vraiment rectifié. Je crois que 45 minutes, on a joué 45 minutes dans la moitié de terrain adverse. Et c'est là où vous voyez les leçons tactiques que je mets. Je m'adresse aux amis, collègues, futurs entraîneurs, de regarder, d'analyser quand tu es en difficulté premier mi-temps, comment tu corriges les tirs deuxième mi-temps. Anasema kwamba sababu kubwa nadhani ashaiongea hapa ni kuhusu tulikuwa na fullback ambao sio fullback kabisa. Maana ilikuwa ni kama tumewaweka sababu walikuwa kuna upungufu wa wachezaji. Lakini hiyo sikuwa excuse kwa sababu na katikati mipira mingi ilipotea. Na ile mipira ambayo ilipotea katikati ndio ingesaidia kuleta ushambulizi mbele. Anasema nadhani kama ulitazama vizuri kipindi cha pili wakati alitoa ushauri uliona kama kipindi cha pili karibuni dakika 45 zote tulizia kwao nadhani tulicheza na hiyo anasema sana naambia ambao wenye wanajifunza walimu kama sijidanganya anasema kwamba wachunguze jinsi ya kubadilisha mchezo maana ukiona mchezo kipindi cha kwanza na cha pili tofauti kubwa so inabidi kwao waige na ili watizame vizuri sana dike una pressure il y avait 10 points de différence maintenant c'est 8. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça te dit? Tu penses qu'il y a le mot, quelque chose qui va changer parce qu'il y a moins de points qu'avant? C'est moi qui vais lui poser la question maintenant avant de répondre. Ah, c'est moi qui vais lui poser la question avant de répondre. Si Ushendi. Il a la tête à tête là, elle est rentrée la balle. Hein, que je félicite d'ailleurs, il a fait une bonne entrée et c'est un bon acquis pour Yanga. Et si il n'y avait pas. Si le penalty n'a pas été sifflé dans notre match là, hein, qu'on a vu il y a deux jours là, on aurait été à combien maintenant? Kama ingetokea ushindi kapata ile chance apata nani yeye na goalkeeper kama angelifunga ile alafu na ile mechi iliyokwisha wenzetu baada ya ile siku kabla siku mbili iliyopita kama asingepewa ile pena tungekuwa na tofauti ya points ngapi. Si je dis cela c'est pas pour critiquer que le football il tient à des petites choses hein, il faut pas ni supporter soit déçu au truc. Nous avons une grande équipe, il y a des moments on peut pas gagner tous les matchs. C'est très difficile de gagner tous les matchs. Dieu merci, on a eu créé d'occasion malgré les absences. Il ne faut pas en faire un truc. Ça tient à des petites choses parfois dans le football. Mais j'ai une grande confiance en mes joueurs, en mon équipe. Hein, une grande confiance.
Si on a perdu 2 points aujourd'hui, il n'y a que moi. C'est moi qui est responsable et c'est vraiment pas mes joueurs. Je tiens toute la responsabilité de la perte de 2 points. On a semaine de football. On a semaine de football. Kuna pointi ndogo ndogo ambazo huwa zinatokea kwenye mechi na hiyo ni kawaida na timu haiwezi kuwa inafunga kila siku. Anasema hiyo ni football na anasema bado anarudi tena anatoa pongeza kwa wachezaji wake wamejitahidi kupambana na kutokupata ushindi leo blame mchezaji wote isipokuwa anajiweka anaweka kifua mbele yeye. Atakalaumiwa laumiwa yeye asilaumiwe mchezaji wote. Et dit on a tous perdu des points mais comme tu le vois c'est Béa City qui était très content de réaliser son dernier. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça et qu'est-ce que tu peux dire aux supporters pour le prochain match? Non, je dois. C'est normal qu'ils sont venus. Sachez qu'ils sont venus une semaine avant. Ils se sont bien préparés. Il faut féliciter les efforts de joueurs qui se sont donnés à fond pour avoir un bon résultat. Il faut être sportif et féliciter les bonnes initiatives. Je félicite aussi le staff technique, malgré que bon après, mais c'est pas grave. Il s'est excusé. Mais il faut féliciter les joueurs. Ils sont contents, c'est leur droit parce qu'ils ont travaillé très très dur pour avoir des points. Ils vont avoir des primes, hein, je ne sais pas, hein, des grosses primes même, parce qu'ils ont fait un match. Il faut les féliciter parce qu'ils aident leur famille et tout ça. Moi, je respecte, je suis sportif et je respecte les efforts des autres. Et ça reste un sport et ça reste vraiment, il faut être sportif et féliciter les efforts des autres. Juste une chose, je n'aime pas en Afrique, maintenant en Europe, on ne voit plus le joueur qui gagne, qui perd du temps, qui dort sur les terrains et trucs pour un peu gagner du temps. Non, il faut enlever ces mauvaises habitudes en Afrique. Tout le temps dormir, il reste que le foam des GSM pour dormir dessus sur le terrain et trucs. Mais à part ça, donc ils sont, je les félicite vraiment pour leur effort. Merci. Oui, tu dis tout. Oui, c'est pas grave. Anasema, lazima atue pongezi kwanza kwa timu pinzani. Lazima mtu au mkweli ni football, ndio kazi ya football. Anasema wamekuja siku 6 au 7 kujiandaa kwa sababu matokeo, wamepambana, wamepata points. Kwao ni muhimu kwa sababu kwanza watapata bonus. Wakipata bonus wanazitasaidia familia zao pia. So lazima awape pongezi. Na anasema kingine kitu ambacho anaomba ingeliwezekana ni kitu ambacho huwa kwenye mpira wa Europe akionekani kabisa hii ya kama kipindi cha pili unaona wachezaji wanajilazalaza wanalala uwanjani wanazinzia ni kitu ambacho kwa Afrika ni kitu chenye inabidi ingewezekana ingekuwa ni yeye ndio muamuzi hicho kitu angekistop kistokee maana tukiangalia mechi zingine za nje Europe kwa tuoni mambo kama haya yani watu wakishona kama dakika zinakuwa sijui kipindi cha pili wanaanza kulalalala mpaka wanazinzia uwanjani nasema sio football ila na matla dije ha ndio matla dije ndio vile kidogo matla dije Anasema utasema walikuwa nalala kwenye godoro za jisemo. Asante.